10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Yann Raymond à la musique. Cette participation aux Journées mondiales de sensibilisation à l'autisme, de façon à créer un événement en fait, qui permette déjà aux personnes de se rencontrer, et puis aussi de changer notre regard sur l'autisme, sur les personnes avec autisme, mais aussi sur l'ensemble des situations de handicap, de façon à les désingulariser, hein, de faire en sorte que ce ne soit pas que corrélé à des établissements ou à des structures, mais aussi de permettre à ces personnes finalement d'interagir avec l'environnement qui les entoure, de l'école jusqu'à la maison de retraite, et puis dans tous les moments de la vie, du parcours de vie des personnes. Aujourd'hui 2 avril, c'est la journée internationale de l'autisme, et on vient dans les écoles, différentes petites équipes pour parler de l'autisme. Et nous, en tant qu'orthophonistes, on vient pour parler de la communication des enfants autistes, et plus particulièrement, on s'intéresse aux enfants non-verbaux ou peu-verbaux. Donc on va créer avec les enfants des tableaux pour la récréation, pour pouvoir parler avec des pictogrammes, des petits dessins, pour qu'ils puissent communiquer ensemble. L'idée, c'est de trouver des solutions pour communiquer sans quand on n'a pas le langage oral, on fait comment pour communiquer dans la cour, pour jouer ensemble. Donc on va essayer de réfléchir avec eux et de trouver des solutions. Et après, ils expérimenteront pendant la récréation. Nous avons 5 classes qui ont participé à cette sensibilisation sur l'autisme et le handicap en général, grâce à Madame Schepp qui est venue faire des interventions dans les classes. Et nous avons trouvé une bonne écoute de la part des élèves, beaucoup d'empathie qui s'est développée et aussi des prises de conscience, parce qu'évidemment, ce ne sont pas tous les élèves qui étaient conscients de l'autisme et du handicap. Donc bonjour, je suis Madame Schepp, je suis la maman d'un petit garçon autiste de 11 ans. J'ai voulu faire ces interventions essentiellement pour faire changer l'image de l'autisme, faire comprendre la différence et le handicap aux personnes pour favoriser l'inclusion, mieux comprendre pour mieux inclure. J'ai fait réagir sur la santé, le handicap et ensuite l'autisme à l'aide de petites vidéos et de débats essentiellement. Les enfants que j'ai reçus, qui m'ont reçu plutôt, ont été hyper intéressés, très curieux et ont posé énormément de questions. Comme disait Madame la directrice, beaucoup d'empathie et c'était que du bonheur. Voilà. Bah, je suis Sophie Berg, du coup, infirmière au Centre Ressources Autisme. Et voilà, c'était important pour moi de participer aux Journées mondiales de l'autisme pour un petit peu toucher un plus grand public, et notamment les ados. Voilà, donc j'ai vu avec le collège qu'il y avait un projet, eux, qui ont un projet de travailler sur la différence et l'acceptation un peu de la différence et l'empathie. Donc ça rentrait bien dans ce cadre-là. Et nous avons décidé de sensibiliser du coup les 7 classes de 6e. Avec un petit film et d'un débat sur une heure chaque classe, et voilà, des enfants qui ont super bien participé, qui ont été très intéressés et qui repartiront, je l'espère, pas avec une formation poussée d'autisme, mais au moins avec quelques notions et une compréhension un petit peu des difficultés et des particularités de l'autisme, et qui pourront du coup intégrer plus facilement leurs copains s'ils sont autistes au sein de l'école.
Dans le cadre des Journées mondiales de l'autisme, nous organisons dans le hall d'Arnaud Villeneuve un stand de sensibilisation à l'autisme destiné aux professionnels de la santé, mais ouvert au grand public aussi. Nous nous informons de toutes les personnes sur l'autisme, qu'est-ce que c'est, comment on peut le dépister, le diagnostiquer, quels aménagements on peut proposer, et puis pour les professionnels de la santé, les aménagements dans la salle d'attente et comment s'y prendre avec un patient autiste. Nous avons aujourd'hui organisé un forum sur l'autisme à destination des habitants du quartier qui se situe dans l'environnement de notre établissement et pour tous nos partenaires institutionnels, associatifs et culturels afin de pouvoir sensibiliser à la question de l'autisme à travers des généralités pour que les choses soient le plus compréhensibles possible, mais que ça puisse participer à faire évoluer un peu le regard sur la personne avec autisme, sachant qu'ils sont amenés effectivement à fréquenter les services de droit commun comme tout un chacun, et qu'à travers leurs particularités, il faut pouvoir les comprendre pour pouvoir mieux interagir avec eux et leur donner une place dans la société. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation de l'autisme, nous voilà sur le site Léon Casal pour venir faire découvrir via un casque de réalité virtuelle comment peut ressentir un enfant autiste les différentes agressions qu'il peut ressentir tout au long de toute sa vie et de la journée dans les différents éléments extérieurs. Nous représentons la société Dell aujourd'hui pour la journée mondiale de l'autisme. Nous avons développé un workshop de sensibilisation à l'autisme. Voilà, c'est ce que nous présentons aujourd'hui en partenariat avec la SPTT. Nous accueillons des enfants toute l'année en milieu ordinaire où on inclut un enfant qui est suivi par un éducateur APA et qui a chargé de l'enseigner différentes activités, que ce soit l'apprentissage de natation ou l'activité kidisport. Docteur Grossman, je suis médecin pédopsychiatre dans un des services de pédopsychiatrie de Montpellier, au SMP à Perplantade. J'ai une activité au sein du centre de ressources autisme et une autre activité de consultation dans un hôpital de jour qui accueille des enfants avec, pour la plupart, un trouble du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de l'autisme, nous proposons avec Madame Alcaraz une sensibilisation aux équipes de première ligne, aux équipes de crèche notamment, pour leur permettre de repérer le plus tôt possible les enfants à risque de troubles du spectre de l'autisme ou plus largement à risque de troubles du neurodéveloppement. Pourquoi leur donner ces outils pour mieux les repérer? C'est ensuite pour pouvoir réorienter ces enfants vers les équipes spécialisées pour permettre un diagnostic précoce et une prise en charge le plus tôt possible pour ces enfants afin d'améliorer leur pronostic évolutif et aussi afin d'améliorer leur qualité de vie et celle de leurs parents. Je m'appelle Patrick Leprin, donc je suis vice-président de Sésame Autisme Languedoc-Roussillon, et donc ce soir nous organisons à la Mutuelle des Motards, avec la participation de l'ANDRH, Association Nationale des DRH, une soirée dont l'objectif est de présenter l'autisme à des employeurs pour essayer d'intégrer au maximum et autant que faire se peut des autismes et de l'inclure dans les sociétés. Thank you.